Le Denza N9 a un extérieur frappant avec une face avant à plusieurs niveaux et un logo Denza proéminent. Un lidar monté sur le toit laisse entrevoir des fonctions avancées d'assistance à la conduite, tandis que les rétroviseurs latéraux sont clairement numériques. La silhouette carrée du SUV, les poignées de porte cachées et les jantes à rayons multiples contribuent à son esthétique moderne et sophistiquée. BYD a publié les images officielles du modèle. Le Denza N9 est un grand SUV phare, construit sur la plateforme E-Platform 3.0 de BYD, et sera lancé plus tard cette année en variante purement électrique et hybride et rechargeable, dans le but de concurrencer des modèles tels que le Li Auto et L9 et l'Auto M9. À l'intérieur, la N9 est dotée d'une configuration de sièges 2 sur 2 sur 2 à 3 rangées, avec deux sièges capitaine indépendants sur la deuxième rangée. Ces sièges peuvent s'incliner complètement, tandis qu'il y a un écran de 17,1 pouces monté au plafond sur la deuxième rangée pour le divertissement, ainsi que des tablettes montées sur les sièges et des rétroviseurs rabattables personnels. Installé au centre de l'habitacle, cet écran rétractable est visible par tous, les passagers arrière, installés aussi confortablement qu'en première classe dans un avion. Denza a fait le choix d'accueillir 6 personnes à bord, proposant ainsi des sièges individuels à l'arrière avec des accoudoirs, la possibilité de s'allonger et de profiter d'un repose-pied. Ces SUV offrent alors un confort digne des plus grandes berlines, telles que la BMW i7. On pourrait vous parler du toit panoramique, de la climatisation automatique à 4 zones, des inserts en bois, des deux chargeurs de téléphone par induction, ou encore des stores sur toutes les vitres arrière. Mais tous ces équipements sont déjà connus sur d'autres véhicules. Nous, on préfère vous parler plus longuement du système audio installé dans le Denza N9. Il s'agit d'enceintes fournies par le fabricant français, de Vialet. Et comme l'origine française fait vendre en Chine, exception faite de la DS9, apparemment, le nom de Vialet est fièrement porté par des grilles de haut-parleurs au design travaillé. À l'avant, il y a une configuration à trois écrans, avec un grand écran tactile central de 17,3 pouces. Un écran numérique et LCD de 13,2 pouces pour le conducteur et un écran de 13,2 pouces pour le passager. Dans la console centrale flottante, il y a un boîtier de chauffage et de refroidissement de 11,5 litres, qui fonctionnerait de 6 à 50 degrés. De plus, il y a deux stations de charge sans fil, un bloc de boutons physiques, vraisemblablement pour les commandes de climatisation, et un espace de rangement caché sous le train de roulement. Dimension et performance. La Denza N9 impressionne également par ses dimensions, longueur, 5258 mm, largeur, 2030 mm, hauteur, 1830 mm, empattement, 3125 mm. Comparable à un Range Rover longue en taille, ces SUV offrent un espace généreux et des roues disponibles en R21 ou R22. La Denza N9 fera son entrée sur le marché chinois l'année prochaine à un prix de départ de 106 000 $. Son lancement est également prévu en Europe à l'été 2025. La conception externe présente une façade caractérisée par des lignes superposées et le logo Denza, qui ressort de manière impressionnante au centre. Un lidar est également visible sur le toit, tandis que les rétroviseurs latéraux, au design plat, suggèrent une fonction numérique. Le profil de la carrosserie est carré, avec des poignées de porte escamotables et des roues à rayons multiples. La puissance provient du système à trois moteurs électriques E3 enfant de BYD. Cette configuration se compose d'un moteur asynchrone à courant alternatif avant, 230 kW, 308 chevaux, et de deux moteurs synchrones à aimant permanent arrière, 240 kW, 322 chevaux chacun. Si ces spécifications sont correctes, nous sommes face à un SUV de 952 chevaux. Nous devrons attendre le dévoilement officiel pour confirmer les chiffres. Avec une longueur de 208,7 pouces, le N9 se situe fermement dans la catégorie des SUV pleine grandeur. Il offre un intérieur spacieux avec un cockpit intelligent, et même un réfrigérateur embarqué avec des capacités de refroidissement et de chauffage. Le N9 fait partie du plan produit ambitieux de Denza visant à lancer 8 nouveaux modèles au cours des 3 prochaines années. Cette gamme comprend 3 SUV, N7, N8 et N9. Le monospace D9 et 3 berlines milieu et haut de gamme. Le lancement du Denza N9 est prévu plus tard cette année, dans des variantes purement électriques et hybrides et rechargeables. Denza, une marque haut de gamme appartenant à BYD, n'a cessé de gagner du terrain. En septembre 2024, elle a vendu 10 300 véhicules,
soit une augmentation de 2,4% par rapport au mois précédent. De janvier à septembre de cette année, Denza a livré un total de 90 193 véhicules. Comparaison avec les concurrents face à des modèles comme le Tesla Model X, le Denza N9 offre un intérieur beaucoup plus luxueux avec des caractéristiques uniques comme un écran au plafond et un frigo intégré. Par rapport à des marques comme Mercedes EQS SUV, le N9 combine des performances impressionnantes et un prix plus accessible, à partir de 69 000 $ en Chine. Un positionnement international ambitieux avec un lancement prévu en Chine début 2025, la Denza N9 vise également à s'imposer sur les marchés internationaux. En Europe, BYD a déjà annoncé l'arrivée de la Denza Z9 GT, et le N9 pourrait suivre, élargissant ainsi la gamme Denza sur le marché mondial. Le constructeur automobile qui fête son 30e anniversaire ne cesse de prendre de l'ampleur sur le marché mondial. BYD s'impose avec ses véhicules aux tarifs attractifs et bardés de technologies de pointe. De quoi convaincre des consommateurs au pouvoir d'achat en berne. La Denza N9 se positionne comme un SUV, haut de gamme innovant et luxueux, parfait pour les familles ou les amateurs de véhicules électriques puissants. Entre son intérieur futuriste, ses technologies avancées, et ses performances impressionnantes, elle représente une offre sérieuse dans le segment des SUV de luxe. Et vous, que pensez-vous de la Denza N9 ? Pourrait-elle rivaliser avec Tesla et Mercedes sur le marché ?